Bah là, une première matinée basée sur l'échange en fait de pratiques professionnelles avec des collègues d'autres fédérations. Donc voilà, c'est un angle de vue intéressant, un partage qui est intéressant, qui vient enrichir, on va dire, ses connaissances et puis son point de vue sur la problématique du management pour ce matin. Alors, bon, moi je suis manager du Centre national de cyclisme, donc on ne gère pas seulement le cyclisme sur route, qui est effectivement défini comme un sport individuel qui se court en équipe. On a d'autres disciplines olympiques comme la piste ou le BMX qui sont des épreuves individuelles. Alors, même si sur la piste il y a des épreuves aussi par équipe pour le coup. Mais voilà, donc je pense que y a des problématiques qui sont communes à tous les sports. Hein. Ce matin, on a pu le voir avec des sports très collectifs comme le football américain où il y a des effectifs de près de 60 dans une même équipe. Et puis des sports plus individuels. Donc voilà, c'est intéressant de se confronter ces points de vue. Bah effectivement, on a tous nos routines, tous nos missions, nos urgences à gérer et on ne prend pas toujours le temps de réfléchir sur nos pratiques professionnelles, de venir confronter un peu nos idées justement à des gens qui ont rencontré ces difficultés peut-être des fois et de voir comment ils ont traité, comment ils ont trouvé des solutions. Voilà, c'est parfois sur des petits échanges comme ça, on peut trouver les clés pour des problèmes qu'on rencontre.